s'appelait. Je sais plus, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, ouais, où elle est là, elle balance ses cheveux comme ça et tout. Je sais plus ce que c'est. Pourquoi Quentin ? Une crème brûlée française. Je l'ai merde. 50% d'eau dans le beurre. Ah génial. Jet 27 Perrier. Oh. Mais quelle horreur. Il est 5h du matin et je suis en train de rentrer chez moi. Je trouve que cette vue est très belle. Le ciel a une couleur très belle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On est le dimanche 10 avril, le dimanche 10 mai 2015. Je vais aller me coucher. C'est dur. Tu veux que je t'offre un café ? Ça ne durait pas un petit piercing là ? C'est plutôt genre là ? Plus bas ? Là ? Ah, plus haut. La tête, non moins. En bas, ouais. Top, vas-y. Ça n'a aucun intérêt. Si, c'est 50 balles, je vais pas mettre 50 balles dans un truc comme ça, hein, c'est mort. Stress. Non ! Vas-y, montre. Non, mais. Attends, je vais t'en faire un. Je te le fais si tu veux. Je viens de réfléchir d'essayer de me forcer à me faire un piercing. Tu sais percer toi ? Ça se fait quoi. Non, mais ce sera encore pire. Dimanche, j'ai chiné à la brocante et j'ai acheté un appareil photo Polaroid pour la modique somme de 8 euros. Et je me sentais vraiment fière, puissante d'être propriétaire d'un nouveau média. Et en plus, je trouve ça tellement beau, les Polaroid. C'est comme si j'avais un champ océanique de possibilités devant moi. Je suis vraiment ravie. Je me sens pleine d'appétit. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs. En train de filmer, c'est marrant.
Bah, ton écran il est dégueulasse. Tout ce qui est informatique, tu peux l'utiliser sur les écrans, ça marche super bien. Au début, tu crois que ça va laisser des vieilles traces, en fait, non. C'est cool. Salut, ça va? Toujours pas de nouvelles? Je me sens inquiète et angoissée. Ces deux dernières semaines, il y a deux personnes qui m'ont demandé si j'étais hyperactive. Hyperactive au sens du syndrome clinique, la pathologie, le truc qui te stigmatise, qui fait de toi un pestiféré, l'handicapé, le pas normal, comme on dirait d'un surdoué au QI ultra développé. Alors dans mon enfance, j'ai jamais été diagnostiquée hyperactive. Mais donc c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, ce double soupçon accusateur. J'ai fait des recherches sur internet pour voir si j'avais certains des symptômes de l'hyperactivité. J'en ai certains et d'autres pas. Donc quand j'étais en cours, j'ai décidé de me filmer avec le webcam. J'ai essayé d'oublier la caméra pour être la plus naturelle et la plus vraie possible. Et pendant que ça filmait, j'avais l'impression que j'étais très statique, hyper calme, hyper concentrée. Et en fait, une fois que j'ai regardé la vidéo, après coup, ça m'a sauté aux yeux que, inconsciemment, je faisais plein de petits gestes parasites, des tics agités. Et quand je le fais, je me rends même pas compte. Mais de l'extérieur, je semble vraiment agitée. C'est terrible. J'ai l'impression d'avoir une faiblesse, une espèce de lacune à rester concentrée et focalisée sur une action en cours. Oui, Henri, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour. Je suis intéressé par un vélo. J'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. C'est un vélo blanc avec une écriture jaune. Oui, il y a des fils, des câbles avec des vitesses. Ouais, ouais. D'accord. Non, c'est pas lui que je parle. Moi, c'est l'autre annonce que vous avez mis. Oui, c'est un vélo d'adulte apparemment. Vous avez mis vélo adulte, très bon état, vitesse ok, frein ok, pneu ok. Il est déjà vendu, ok. Mais vous savez pas s'il est vendu ou pas, l'autre? Ouais, blanc, crème, enfin, ouais. Mais les roues, elles font quelle taille? C'est... Parce que
Il y a des 29 pouces ou des 26 pouces. Alors moi, il me faudrait 29. Ouais, au revoir. Ouais, au revoir. Le gars, il est complètement à l'ouest, quoi. Depuis le début de l'année avec Quentin, on n'arrête pas de jouer, entre guillemets, à faire de la danse contemporaine. Et en fait, on parodie un peu les trucs arty, l'idée reçue qu'on peut avoir de la danse contemporaine. Et en fait, au final, on fait ça pour s'amuser. Mais moi, ça m'amuse plus vraiment, parce qu'en fait, j'aimerais bien en refaire. Et en fait, on n'arrête pas de faire des performances pour rigoler. Et en fait, je trouve que c'est plus du tout drôle. Je sais pas pourquoi est-ce que ça reste dans le domaine du comique et de la blague entre potes. J'aimerais bien essayer, mais j'arrive pas, j'ose pas. Peut-être dans mon prochain journal filmé du mois prochain, je me serai lancé, je sais pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, t'écouter, chanter, rire. Putain, trop cool, merci. Va finir sur le jour du Seigneur. On fait plus. Vous le faites plus? Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est arrêté. You can't go to the beach, not in the water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you in my social housing. Wander all afternoon in the shopping mall. Pourtant, c'est vraiment pas mon genre de mettre des images de chats dans mes vidéos.